Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Dead Space live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Salut 78DZ! Ça va? Ça va tranquille? T'as déjà joué à Dead Space? Un vieux jeu de 360, j'y ai jamais joué. Vu qu'ils sont gratuits avec le Xbox Game Pass, j'ai pensé, tiens, aussi bien y aller. Bienvenue Sarah Denil. Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Et le vaisseau? Comment partir? C'était notre seul billet retour. Kendra. Non, Hammond. Là, ça change vraiment tout. Mais taisez-vous. Vous pouvez accéder aux commandes. Ça va pas. Les systèmes principaux sont bloqués aux employés de base. Sans l'autorisation du capitaine, aucun moyen d'y accéder. Bon, et où est-il? Le voilà. Capitaine Benjamin Mathius. Situation? En soins. Statut? Décédé. Quoi? Merde! Je n'ai pas accès à ces informations. Trouvons le capitaine et nous aurons ses rigs. Avec ses codes d'accès, je pourrais pirater cet ordinateur. Bordel. Isaac, je vais renvoyer le tram vers votre position. Allez à l'infirmerie et trouvez ses codes le plus vite possible. C'était quoi? Bon. L'infirmerie, c'est l'autre côté, j'imagine. Tu joues à quel jeu présentement, toi, 78DZ? Je vais t'appeler DZ à la place. Attention, deuxième, c'est la même.
Ah, c'était des salles de bain, ça. Salle de bain, ça va vite à vérifier. En 89 jours. Toujours là, DZ? DZ est parti. Il n'a pas dit bye. Excellent. Ah. Niveau 2. Ok, ouais. Ramasser des schémas thémiques, ok.
Isaac. Vous êtes là? Ils nous ont trouvés. Kendra a disparu. À l'instant, elle était là et je n'arrive pas à croire que je l'ai perdue. Il reste un espoir. Ramenez-moi les codes du capitaine et nous trouverons Nicole. L'équipage a dû barricader la porte menant aux urgences. Va falloir la faire sauter pour aller là-bas. Cherchez de la thermite dans la pharmacie. Et quelque chose comme un défibrillateur. Ça devrait être plus loin. Merde, je capte rien avec ces interférences. Salut Jess, salut Mr. Flight. Désolé, j'étais absorbé par ce qu'il disait dans la game. T'as déjà joué à ce jeu? Ah, c'est là que j'arrive. Moi, j'y ai jamais joué. Et là, j'ai commencé hier avec Jess, là, ça fait après une heure. Jusqu'à temps que Jess s'en va se coucher, puis elle me dit pas. Okay, le rouge, c'est pour l'espèce, c'est pour la... Je viens de comprendre c'est pourquoi maintenant. Là. La boule rouge dans le dos, là, la ligne bleue, c'est l'énergie, mais l'autre cercle qui est vide, c'est pour le mettre au ralenti. Puis là, je peux pas passer à cause de ça. On va aller dans l'autre pour voir. Ça va, monsieur? Ouais, si tu te lèves, tu marcheras pas. Caribou, quoi? Focus. Journal médical, rapport psychiatrique du patient Harris B. employé. Harris est endormi avec un sédatif puissant. Il ne dort plus sans aide médicale. La plupart des gens se croulent après plus de 48 heures sans dormir, même shooté au café. Mais Harris, sa version des événements de la colonne est troublante et témoigne de la même paranoïa que les autres colons atteints. Sa culpabilité ne fait aucun doute. Deux officiers de sécurité l'ont vu prendre le docteur Scarello en otage et assassiner l'infirmière Evans. De plus, il nie. Il nie pas les faits, cependant. Et ben, là, il...
insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un crime et qu'il n'en éprouve aucun remords, bien qu'il s'agisse d'un comportement psychopathe typique. Harris ne souffre d'aucun autre symptôme. Il est aimable, souriant et refuse pas la discussion. Et on le questionne au sujet du meurtre. Il se braque et fait preuve d'un comportement psychophrène. Je prononce même pas bien. Il est également sujet à des hallucinations. Comme celle des autres patients, Harris prétend que les menaces envers le docteur étaient dues au visage qu'il voyait dans ses cauchemars et qu'il continue à tuer pour ne plus qu'un avec qui, je n'en sais rien. Comme au sujet de ses visages. Un cas intriguant. Mais là, c'est pas là où je vais. On va revenir. Quelqu'un? Ici Maître Caribou. Vous pouvez m'appeler Dieu. Anomalie dangereuse détectée. Activation quarantaine. C'est la première fois que j'en avais autant d'aimance. J'étais pas prêt psychologiquement pour ça, moi, là. Focus, Caribou, focus! Jen, as-tu réussi à te connecter de nouveau à ton jeu pour pouvoir y jouer? Ah, ça a rempli ma caisse.
Oui, couche-toi. Couche-toi. Antenne 24 qui attaque. Tabarnak. Et ça, c'est la porte. Faut y aller, mais on ira après. Je vais... Des balles. Une petite sauvegarde, ça tue personne. Quelle malédiction peut bien causer tout ça? À mon avis, vous n'y êtes pas du tout, docteur. C'est l'œuvre de Dieu. Je n'en suis pas si sûr. C'est mon œuvre. Tous les problèmes rencontrés sur la colonie semblent être liés au monolithe. Vous pensez ce que vous voulez. Moi, je sais. Le monolithe est glorieux et divin, vous le savez. Et ses voies sont impénétrables. Si vous le dites, elle sera abordée demain. Vous pourrez l'étudier sans restriction. Qu'est-ce qui vous tracasse tant? Tracasse? Capitaine, des gens meurent là-dessous, s'entretuent. Est-ce que c'est ça, la transformation enseignée par l'unitologie? Docteur Terence, il y aura toujours des risques si l'enjeu est de taille. Dans ce cas, il est énorme. Ça pourrait tout changer. C'est bien ce qui m'inquiète. Les images en provenance de la colonie sont mauvaises, mais le vestige semble être un monolithe authentique, le premier découvert par l'unitologue. Je suis impatient de voir à bord du vaisseau afin de l'étudier dans les meilleures conditions. Les perspectives sont infinies. À titre personnel, j'ai rêvé d'une telle découverte pendant des années, mais je pense plus au gain pour l'Église et l'humanité en général. Ce monolithe est peut-être le début d'une nouvelle ère pour notre ère. À moi de trouver comment l'utiliser. L'Église me sera sûrement reconnaissante, mais la gratitude de mes semblables importe plus. Aujourd'hui, Dieu est avec nous. Je suis avec vous.
tue la reine. Aidez-moi. Allez. Il a disparu. Ah, il est là. Allez, jasez, là. Qu'on parle. Me fait peur, lui. Early. Je suis revenu en haut. Je suis curieux de vérifier quelque chose rapidement, par exemple. Ah, c'est rien que les toilettes, ça. Jurgens a accepté de me montrer cette vidéo fournie par la colonie. Et ce que j'ai vu, mon Dieu, incroyable. J'ai vu ces colons se transformer en des êtres absolument prodigieux. Un vrai miracle.
En tant que fidèle de l'Église, je souhaite devenir l'un d'entre eux, mais le scientifique voudrait connaître leurs secrets. Je dois étudier un de ces nécromorphes, comme Kite les appelle si bien. Je dois observer le processus d'infection. Pourquoi pas sur ce nouveau patient ? Ok, ça faisait juste le tour. Ça. On peut acheter des armes. Faut attendre avant de gaspiller mon argent.
T'as plus de jambes, toi. T'as plus de tête non plus. Pas monter. Ben ça. On dirait que c'est ça qui devait aller dans le mur. Oh! Bonjour tout le monde, ici Caribou Canek vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Oh yeah! Toi. Mort confirmé.
sans air. Es-tu de là? Ah là, j'en ai une moyenne. Vous le savez, l'Ishimura gère la gravité indépendamment en plusieurs points. Vos bottes de gravité s'activeront dans toutes les zones sans gravité. Ah, j'ai oublié ça. Sortie zone sans air. Je veux pas l'attirer par moi. Ok! Qu'est-ce que tu fais, caribou? Oh! Ben non!
tabarnak. Ben là, qu'est-ce que tu fais? Aïe, 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 aïe. Incroyable! Et je sais plus comment viser. Trop haut! Trop bas, trop à gauche!
une main. Sans gravité. Plus tabarnak. Pourquoi j'arrive pas à les attraper?
comprends pas. Ça marche pas en tout. Trop loin ou quoi? Sans gravité. Sans gravité. Ça marche plus.
Tabarouette, hein? Je comprends pas, honteux. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Dead Space Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!